Mais nous voilà arrivés sur la planète Terre, de plus de 7 milliards d'habitants, la majorité peuplée de méduses, mais aussi d'habitants humains qui sont intelligents. Oh, les méduses, elles sont pas intelligentes. Méduses, c'est con comme des pieds. Non, c'est con aussi. Alors qu'avec le neurone de plus, elle pourrait complètement envahir l'espace terrestre. Que veux-tu ? Comme sur la planète Médusor. Exactement, comme sur la planète Médusor, c'est exactement ça. Ah pardon, les méduses, c'est pas notre travail en ce moment, là, notre travail c'est avec les petits humains. Alors on va regarder tout ça. Tu vois là-bas, là ? Ouais. C'est un humain. Oh mais c'est dégueulasse. Attends, c'est complètement dégueulasse. C'est des sacs de chair attachés à des os. Capitaine, votre sang, merci. Ah, merci. Faites attention, c'est dégueulasse comme d'habitude. Ah, bah, j'espère bien. Tu peux en faire un aussi, s'il te plaît. Bien sûr, un sang, merci. C'est délicieux. Délicieux, délicieux dégueulasse. Merci. Je vais revenir un peu. Alors, bref. Voilà, ça, c'est un humain. Faut qu'on l'étudie. D'accord. Notre but, c'est de comprendre comment ça marche. D'accord. Mais pas que au niveau des muscles, hein, au niveau de la tête. Parce que ces trucs-là, ils utilisent des organes vocaux, hein, pour se parler. Ils peuvent dire qu'ils communiquent entre eux. Voilà, c'est ça, ils communiquent entre eux, et ensuite, ouais, ils font des trucs à la con, quoi. Donc, je vais te montrer, c'est très très drôle. Ok. Ils font des bruits par la bouche. Hein. Tu vois, nous on fait des bruits par le cul. Ouais. Et ben eux, ils font par la bouche. Ils font quoi, par exemple? Eh bien, tu vas voir, on va lui foncer dessus et tu vas voir le bruit qu'il fait quand on l'écrase. Attention, je lâche l'antigravité. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.